ça a l'air bon. Marion, je m'excuse, j'ai induit en erreur comme tous ces téléspectateurs. J'ai dit Saint-Hyacinthe, mais en fait, c'est Sainte-Thérèse, 6e festival de cinéma international du 19 au 24 septembre à Sainte-Thérèse. Tu sais, c'est humain, ça, de faire des erreurs. Ah, ben oui. L'important, c'est pas de tomber, c'est bien de se relever. Hein? Mais oui, c'est sûr. Oui. Okay. Il y a le théâtre Katsu qui a inauguré sa saison hier soir avec une pièce de René Daniel Dubois et Laura ne répondait rien avec Janine Suto et Marc Belland dans une mise en scène de Martin Fauché. Madame F, 70 ans, se confie à un jeune infirmier. Elle décide de parler après 30 ans. Elle parle de sa relation particulière avec Laura, la seule personne qu'elle ait vraiment aimée. Alors, c'est tout au long d'un récit, ça se passe tout au long d'un récit qui dure 1h30 et c'est une pièce qui demande beaucoup de concentration, tant du côté des comédiens que du public. On doit énormément travailler et c'est une pièce qui a une certaine fragilité compte tenu que c'est un récit, l'anti-théâtre même, et si un comédien perd seulement une seconde de concentration et la pièce serait vraiment à l'eau. Mais c'est admirablement bien rendu par Janine Suto et Marc Belland. Le ton est bon et aussi les réactions sont justes. Une très bonne confrontation entre deux générations, c'est de toute beauté et j'ai assisté à l'avant-première. Le racontier à moi, je pourrais l'enregistrer et lui envoyer la cassette. Oh, mais vous savez, c'est une histoire comme ça, inventée. Ce texte m'a accroché par cette qualité d'amour, même si c'est un amour terrible, un amour où elle avoue qu'elle vient tout récemment de comprendre et qu'il lui a fallu presque 35 ans. Donc, c'est un amour terrible, possessif, qui ne comprend rien. Mais c'est une telle continuité dans cet amour que je pense que, arrivé à mon âge, parce que j'ai exactement l'âge de Madame F., je pense qu'on peut comprendre ça. Il avait tenté de lui parler, parce qu'il n'attendait rien d'elle. Il la voyait comme une femme, un être humain, pas comme un potentiel en devenir. Cet infirmier-là était très impressionné, très choqué, dans le sens que ça a ébranlé ses valeurs, puis c'est comme s'il avait comme vieilli très rapidement à la suite de cette rencontre-là qu'il y a eu avec cette dame. Et il veut faire partager cette histoire-là, ben, et il veut en témoigner. Donc, il la monte, il la met sur bande. Il me semblait qu'à moi, cette question ne se poserait jamais. Est-ce que la vie que je mène est celle que je recherchais? La réponse. J'ai voulu faire sortir le rapport de découverte avec les personnes âgées, des personnes qui souvent on relègue aux oubliettes, on relègue dans les garde-robes, dans les résidences pour personnes âgées. J'ai voulu faire ressortir le vécu de ces gens-là, la richesse de des émotions qu'ils vivent encore, et aussi la qualité intérieure qu'il y a chez tout être humain. Il y a en présence dans le spectacle quelqu'un de très jeune et quelqu'un de beaucoup plus âgé, et j'ai voulu qu'il y ait une vraie rencontre entre ces deux gens. D'avoir manqué le bateau et de même pas savoir lequel, c'est ça le pire. Ne pas savoir quel bateau j'ai bien dû manquer. Mais de quoi parles-tu? Quel bateau? Manquer quoi? Qui connaît actuellement une recrudescence de succès avec sa chanson Aimé d'amour, c'est au tour de Steve Miller Band, 17 ans plus tard, avec la chanson de Joker, qui le 20 octobre 1973 était en première position. Mais une fois de plus, cette chanson est en première position au palmarès en Angleterre. Michael Jackson serait-il en train de perdre sa popularité? La ligne de chaussures Elle est dire, dont Michael Jackson est le porte-parole, est en difficulté. Il y a même un des grands magasins de Los Angeles qui n'a rien vendu de ces articles-là depuis la rentrée. La compagnie s'inquiète car le contrat de Michael est de 9 millions pour les deux premières années. Le prix de
détail qui est de $79 est peut-être trop élevé pour une paire d'espadrilles.